Bonjour Mathieu Lucien, j'espère que vous allez bien, moi très bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer tous les achats du mois de juin. Voilà. Du coup, je vous montre ça tout de suite. On va commencer, je prends un à la fois. Je me suis pris, j'ai chatouillé, celui-ci, la collectionneuse de vœux de Mia Serindon chez Hugo dans la collection New Roman. Voilà, je sais plus exactement ce qu'on va. Comme ça, on verra un peu mieux. Ouais, regardez la couverture la plus jolie comme ça. C'est un peu comme La Belle et la Bête. Voilà, il y a une malédiction et c'est Clara qui va un peu. J'essaie de lire en même temps. Voilà, un peu. Peut-être retirer la malédiction, je ne sais pas plus, mais il me tente vraiment bien. La couverture est trop belle. Voilà. Mais c'est pas un que je vais lire tout de suite, je pense. Enfin, je sais pas. Je dis ça et je sais pas. J'ai plein de livres qui me donnent envie, du coup. Du coup, le deuxième, c'est Emma Gray, bien plus fort que toi, de chez Addictif. Il me donne trop envie. Ici, on va suivre une jeune femme, je sais pas son nom par contre. J'aime bien le bruit que ça fait. C'est une jeune avocate avec des formes, comme vous pouvez voir sur la couverture. Une personne comme nous, avec des formes, qui va se battre pour ça. Voilà, du coup, on verra bien ce que ça peut donner, mais ça me tente beaucoup, 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 beaucoup. Voilà. On va suivre deux personnages. Voilà. De ce que je sais plus. C'est tout ce que j'en sais. Voilà. C'est déjà pas mal. Après, on a celui-ci. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il est juste là. C'est pour ça que je crois. C'est le même nom. J'en ai plusieurs de la même autrice. J'avais envie de découvrir d'autres livres d'elle parce que voilà, c'est un coup de cœur pour celui-là. Du coup, je me suis dit, essayons de trouver d'autres livres et j'en ai trouvé plusieurs. Du coup, c'est Love in a Dream. Voilà, je sais pas comment ça se dit. Le seul truc qui m'ennuie un peu, c'est tout petit. C'est écrit par la même autrice, M. Sébastien de chez Upper Calling Poche. Voilà, trop beau. Il est shiny, shiny. Ici, on va suivre être la fille puissante et dangereuse, malieu, n'a rien d'évident. Lila. C'est que certaines personnes jalouses se possèdent privilégiées, mais la vérité est tout autant. Surveillée sans cesse par les hommes de son père, elle n'a aucune liberté, aucune vie privée et aucun espoir depuis. Attends. Je suis perdue à cause de ce truc que je viens de voir. Ah, depuis que Eva, son amie enfance, est le seul qui apprécie tout en ignorant qu'elle a été tuée à cause d'elle. Alors, lorsque Eve réapparaît 7 ans plus tard, Lila est décidée entrer lent. Oh, je reviens d'action, c'est pour ça. Entrer dans envie de se jeter dans ses bras et la enterrer, de se voir à nouveau amenée par ce bout du nez, là, on va dire, par son père, fera-t-elle prête à risquer la vie de l'homme qu'elle aime? Mais le dangereux vient-il seulement d'elle ou de lui? Ève est devenue. Voilà. Pour celui-là. Après, j'en ai deux. C'est les deux mêmes, hein. Enfin, c'est tome 1 et tome 2. Qui est en croix du passé. Tome 1 et le tome 2. Je sais que c'est un MM. On va suivre Clément et Sévan. Je sais pas comment ça se dit. Ces deux, ils sont en couple, si je me dis pas de bêtises. Et ils sont pas dans la même ville. Où ils sont dans une relation un peu
On va suivre ces deux garçons, voilà. Et je sais juste qu'ils sont pas ils n'ont pas emménagé ensemble et on va suivre leur idylle, voilà. J'en sais pas plus et j'en veux pas savoir. Celui que je viens d'acheter, c'est celui-là, il est trop beau aussi. Celui-là, je pense que je vais le lire en octobre parce que c'est un soir d'octobre. Lorsque Mila rentrait chez elle, sa vie bascule. Quelqu'un attendait là-bas, de son immeuble, en bas de son immeuble. Une main se plaque sur sa bouche et un 4x4 l'emporte. Mais Mila vient d'être enlevée. Lorsqu'elle revient à elle, la jeune femme aperçoit qu'elle est esquintrée, qui est son rassive, son rassu, son ravisseur. Que veut-il? Tenue dans un endroit isolé, elle va devoir apprendre à vivre avec Carte, l'homme chargé de la surveiller, qui la trouve autant qu'elle le terrifie. Pour lui, Mia, elle n'est qu'un contrat de plus à honorer. Une fois que la face payée, mais quelque chose chez sa captive lui fera baiser la garde. Il la laisse malgré lui en lien sacré entre eux. Alors que Carte et Mila se découvrent chaque jour davantage un sur l'autre, la jeune femme réalise que malgré leur apparence, son ravisseur porte un lourd fardeau. Est-ce qu'il peut être prisonnier autant qu'elle? Si l'amour pouvait se libérer. Voilà. Il est trop beau. Après, on va prendre les deux là. C'est tome 1 et le tome 2, maintenant je le sais. Bei Min et là, Bei Wei. Voilà. Je ne sais pas plus cela. C'est la même actrice que celui que je vous ai montré il y a 3 minutes là. Le premier, celui-ci. Voilà. Je vous avais dit que j'avais trouvé d'autres. Voilà. Ici, je sais que c'est un truc de bikers, je pense. Ça, c'est le tome 2, il est plus petit, le tome 1 est plus gros. On va suivre Kim et Alex. Voilà, c'est tout ce que je sais. Et j'ai pas envie de trop en savoir parce que je pense que ça va être ma prochaine lecture. Voilà. Après d'aujourd'hui, je me suis pris Cruella dans la collection La Bibliothèque Rose, le roman du film. Par contre, Disney, moi c'est des Disney, de chez Hachette Jeunesse, voilà. Je n'en sais pas plus, je ne l'ai pas encore lu. Enfin, c'est normal, il vient d'arriver chez moi aujourd'hui. Mais je ne sais pas si je vais les lire, parce que j'aime bien cette collection de livres. Voilà, je ne sais pas si je vais le lire, mais je les veux pour les mettre dans ma bibliothèque plus tard. Ou pour mes futurs enfants. Après, j'ai celui-là qui me donne très envie, tout petit. De Céline Bergergard. Ferme les yeux et fais un vœu de chez Hugo. Voilà. Je ne sais pas du tout ce que ça parle. Je l'ai lu. Sarah démarre de la trentaine avec déjà une belle carrière d'avocat assisté dans un cabinet. Les affaires ne manquent pas. Les dossiers riment séjour, les souvenirs, ces nuits, elle mène sa vie comme une affaire pénible, avec précision et ordre. Aucun place n'est laissé à l'hasard. Pourtant, un appel à pleine nuit va lui faire valider toutes ses certitudes. Alors que l'exultante de son frère bascule, elle jette un regard différent sur son quotidien. Sa réussite professionnelle va-t-elle accompagner, ne passe-t-elle pas à côté de l'essentiel? Elle se bat pour des petits mots, j'arrive plus à les lire. Battre sa détermination, donc elle s'est fait preuve.
du tribunal, puis s'installe à force à ce petit frère chéri. Mais cela va-t-il suffisant? Peut-on trouver la réalisation au milieu des choux? Voilà. Je ne sais pas. J'ai envie de le lire. Et le dernier, c'est celui-ci. C'est de Emma Gray. J'en ai deux comme ça. Emma Gray. Cœur insomnie. Oh, il est trop beau. Celui-là non plus, je l'avais vu. Et comme il est en poche, je ne sais pas si vous voyez, il est en poche. À part à l'autre. Je dis pourquoi pas. Il était à 7 euros à la place de je sais pas combien. Du coup. Voilà. Deux âmes qui nous offrent 5000 km à parcourir pour une seule voiture. Je vous raconte l'histoire parce que je ne l'ai pas en tête comme ça. Je l'ai lu tantôt, mais je suis fatiguée. Il n'aime pas les distances. Elle pourrait bavarder avec les flics et ailleurs. Elle le fait. Mais dans son cas de Farray, c'est avec son ex option que Voltaire va découvrir faire un bout de chemin et un brick, une casquette d'âne et tout son contrat. Aussi ténébreux qu'elle un solaire, elle cache un drame de sa vie sous le joie de vivre communicative. Et si son capitole se trait si bien, c'est qu'elle a plus de secrets à cacher. Et certains incitables à traverser ensemble de l'États-Unis, c'est du ouest de la blonde explosif et le brun tatoué vont devoir coacher sans finir dans le fauché. Ni l'un ni entre tué, jeté vagal. Interminable silence, ça permet d'être long, pourtant des kilomètres défilent et ces deux cœurs insomnies se serrent et se rapprochent jusqu'à ce que le va-t-il il va y avoir un truc de romance entre deux personnes qui vont faire des kilomètres si je comprends bien. Voilà, ça me donne bien envie et voilà. Je pense que cet été, un petit livre magré. Voilà pour tous ceux que je vous ai montrés. Voilà, ça fait quand même pas mal de livres. Plus, je vais vous montrer les deux que j'ai. Maintenant, non. Les deux que j'aurai dans la box du petit colis qui va plus tarder quand vous verrez cette vidéo. Voilà. Sur ce, moi, je vais vous laisser. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager. Et je vous fais des gros bisous. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde.